Les professionnels du végétal, les arbres, les plantes, les fleurs vous présentent Mission Végétale. Les fêtes approchent et toujours pas de sapin? Tania et ses deux fils, Solal et Jim, ne savent vraiment pas comment faire le bon choix. Heureusement, Mission Végétale est là. Et c'est Louis qui va nous aider à choisir en expert. Louis, quand on parle sapin, en fait, on a le choix. Tout à fait, Gauthier. Nous avons trois variétés qui sont cultivées en France. L'épicéa, le norman et le nobilis. Si l'on s'approche de ce sapin-là, le norman, c'est assez doux au toucher. Il a la particularité qu'il ne perd pas ses aiguilles. Alors le nobilis, ce sapin-là, si on le touche et vous sentez vos mains, on va sentir un parfum un peu citronné. Et il a une couleur légèrement bleutée. Et enfin l'épicéa, qui est le sapin traditionnel, qui est plus fourni. L'épicéa sent bon la résine et quand on le touche... Ça pique. Donc en fait, il y en a pour tous les goûts et ils sont 100% recyclables. C'est ça. Et il y en a aussi pour tous les budgets. Pour que votre sapin naturel soit au top, il suffit de le brumiser avec de l'eau une fois par semaine et de le placer loin d'une source de chaleur. Et toi, t'as fait ta liste au Père Noël ? Oui. Mission Végétale vous a été présentée par les professionnels du végétal, les arbres, les plantes, les fleurs.